Alors qu'à Thiès et Mbour, au Sénégal, la coalition Diomaye président bouclait les dernières heures de la campagne présidentielle ce vendredi 22 mars, les partisans du PASTEF sonnaient la dernière mobilisation à Ouagadougou, au Burkina Faso. Dans ce quartier général du remplaçant direct de Ousmane Sonko, et à 48 heures du début des votes, on peut toujours convaincre quelques électeurs, même depuis le Burkina Faso, à travers des échanges téléphoniques. D'ailleurs, le coordonnateur de la coalition, avant ce meeting, dit avoir séduit au moins 10 personnes à suivre les idéaux de Bassirou Diomaye Faye. Ce n'est pas tout. C'est le moment aussi d'expliquer le processus du vote, comment cocher dans le bon bulletin pour donner la victoire à leur candidat. En deux semaines, tout le monde sait qu'en deux semaines, il est difficile de battre campagne. Mais néanmoins, pendant ces deux semaines-là, on a pu regrouper les Sénégalais, aller auprès des Sénégalais, les sensibiliser, galvaniser les troupes. Et aujourd'hui marque l'épilogue. On a touché la majorité des Sénégalais qui ont acquis à notre cause. Pour ces militants, le dimanche 24 mars 2024 va changer le sort du peuple sénégalais. C'est pourquoi, même avec le PASTEF, patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité dissous, et porté désormais par la coalition Diomaye président, il n'y a aucun doute, si le vote se passe en toute transparence, la victoire sera assurée. Catégoriquement, nous sommes catégoriquement optimistes. Avant même les élections, l'ancien régime en place avait fait des sondages à plusieurs reprises. Et chaque sondage nous a donné vainqueur. Quand vous voyez les Sénégalais qui se tiennent debout jusqu'à 3 heures du matin, des Sénégalais qui ne dorment pas, hein, cela montre que la victoire nous est déjà acquise. Si l'élection se passe d'une manière démocratique, transparente et libre, nous allons passer à plus de 70%. Pour y arriver, il va falloir faire face aux 17 candidats en lice. Parmi eux, le poulain du président sortant Macky Sall, l'ancien premier ministre Amadou Ba. Le combat des lions présidentiables sera rude dans la tanière. Avant le dépôt des bulletins dans les urnes, certains candidats se sont désistés, comme Habib Sy et Cheikh Tidiane Diaye, qui se sont rangés du côté de la coalition Diomaye président. Avec eux, il faut compter le PDS, Parti démocratique sénégalais de Maître Abdoulaye Wade. Son candidat Karim Wade a été écarté à cause de sa double nationalité. Il appelle à voter aussi pour le parti de Ousmane Sonko. Et sa représentante au Burkina Faso porte le même message. Je crois que c'était la solution de venir rejoindre Diomaye Faye. Parce que c'est une partie vraiment qu'on a de l'espoir. Parce qu'avec le projet de Diomaye, je crois que le Sénégal sera un Sénégal, pas un Sénégal de Macky Sall, mais un Sénégal de toute l'Afrique. Bassirou Diomaye Faye, bientôt 44 ans, sera donc avec 16 autres candidats le dimanche prochain. Près de 7 millions d'électeurs devront choisir le successeur de Macky Sall, qui aura passé 12 ans à la tête du Sénégal et mettre ainsi fin à la crise politique dans le pays.